Bonjour Marie. Bonjour Hélène. Vous revenez aujourd'hui sur un documentaire absolument édifiant concernant la pollution en Chine. On l'a vu sur les quelques images que nous avons diffusées. On n'y voit rien quasiment. On n'y voit rien, non, vous avez raison. On ne voit pas l'immeuble d'en face, j'exagère peut-être, mais pas beaucoup. Non, non, vous n'exagérez absolument pas. C'est terrifiant de voir ça. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ce documentaire dérange en Chine. Tout simplement parce qu'en fait, il dénonce le laxisme des autorités donc face à la population et les conséquences que ça a. Ce documentaire, il a été visionné 155 millions de fois et donc a été ensuite censuré une semaine après sa diffusion sur le net. Il a été réalisé par une journaliste présentatrice en Chine qui s'appelle Chai Jing. Par une Chinoise donc. Par une Chinoise qui donc a réalisé ce film et produit avec ses propres moyens, son propre argent parce que elle a eu un véritable déclic. Son enfant, sa fille qui venait juste de naître, les médecins lui ont diagnostiqué une tumeur bénigne au poumon. Et ce jour-là, elle a eu un véritable déclic. Elle a décidé, comment dire, de s'engager dans le combat contre la pollution. Et elle le fait de manière vraiment très intelligente, vous allez voir. Le documentaire, elle le commente. Il est diffusé sur un écran géant. Et comme une conférence, si vous voulez. C'est pas facile en Chine d'entreprendre ce genre de démarche. Non, c'est une première d'ailleurs. C'est une grande première. Ça n'a jamais été fait. Ils n'ont jamais fait un documentaire comme ça. Donc c'est fait d'une manière comme une conférence avec des statistiques, des tableaux. C'est très accessible et très compréhensible. Et ça a été un électrochoc pour les Chinois qui ne se rendent absolument pas compte des effets néfastes de la pollution. Regardez. La pollution en Chine est due à plusieurs facteurs. Elle est due d'abord au charbon. D'après les statistiques, c'est à peu près 70% de la pollution. Et elle est liée également à la circulation automobile, le trafic en général, les voitures et les camions. Et ce sont les 30% résiduels. Le gouvernement a des difficultés à gérer cette situation parce qu'il ne faut pas oublier que la Chine, c'est un pays qui s'est longtemps développé pendant les 15 dernières années avec une croissance à deux chiffres. Les pouvoirs publics vont-ils décider de réduire la croissance simplement pour protéger l'environnement? C'est vraiment le dilemme. Il y a un problème d'éducation, il y a un problème de développement économique, il y a également un problème de corruption, il faut également en parler, et il y a un problème d'application de la norme pour faire respecter les objectifs en termes de pollution. Jusqu'à une époque récente, la plus importante des sanctions prévues en matière d'infraction environnementale était de l'équivalent d'à peu près 12 000 euros, ce qui pour un géant de l'industrie ne représente pas grand-chose. Le documentaire de Chai Jing a fait beaucoup de bruit parce qu'il est en quelque sorte le révélateur d'une prise de conscience collective qui existait déjà. Quand les Chinois sur Internet voient ce type de reportage, ils se disent « Oh là là, que dois-je faire? Que puis-je faire pour protéger mes enfants ?» La pollution telle qu'on la trouve dans les grandes villes chinoises, on l'appelle smog. Et en réalité, quand vous arrivez par exemple à Pékin par un jour de smog, vous avez l'impression qu'il y a une éruption volcanique et que des cendres volent partout. Vous ne voyez pas de l'autre côté de la rue tellement le brouillard est opaque. Et vous avez des gens qui se promènent dans la rue avec des masques. Vous avez des mesures qui sont prises à l'intérieur des appartements. Les personnes se sont quasiment toutes équipées de purificateurs d'air. Ça crée une sorte de psychose, si vous voulez. Quand il s'agit de déposer les enfants à l'école, le seul fait de sortir l'enfant de la voiture pour l'amener jusqu'à la porte de l'école est un problème. Et ça, c'est un monde dans lequel les Chinois ne veulent plus vivre. Il y a des répercussions à plus long terme qui se traduisent par une surmortalité liée aux maladies cardiovasculaires ou aux maladies qui touchent le poumon. On estime qu'il y a l'équivalent de 500 000 personnes qui disparaissent chaque année en Chine à cause de cela. Vous savez, la Chine, c'est un pays qui fait 17 fois la taille de la France. Vous avez certaines régions qui sont complètement épargnées par la pollution. Et les Chinois savent prendre les mesures qui s'imposent pour protéger leur patrimoine de biodiversité, leur patrimoine écologique.
Alors rappelons que les images qu'on a vues, ce n'est pas du brouillard, non, comme on pourrait le penser, mais bien de la pollution, et les Chinois ne sont pas forcément informés. Non. Donc est-ce qu'on peut encore revoir cette vidéo malgré sa censure? Vous pouvez le voir sur Internet, et puis le lien également est disponible sur le site de Télématin. Voilà. D'accord. Et l'article, toujours publié dans Courrier International, du mois de mars 2015. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce documentaire. Merci.